pareil moment de l'année, on est au mois d'octobre. Donc il a fait plus de 60 jours de pluie, donc depuis juillet à nos jours, pour un cumul qui dépasse largement les 1000 mm. Donc on a eu une pluviométrie excellente et surtout une très bonne répartition. Ça, ça peut expliquer le comportement intéressant des cultures. L'autre facteur important, c'est la mise à disposition des producteurs d'intrants de qualité et surtout aux périodes souhaitées. Et ça, on l'a obtenu grâce évidemment à nos partenaires qui nous ont beaucoup appuyés dans d'abord la mise à disposition des intrants. On peut citer entre autres notre partenaire traditionnel, la Banque Agricole, qui nous accompagne également depuis plusieurs années. Mais on a également des partenaires tels que OVO, un projet, une association belge, qui nous a accompagnés vraiment dans le financement de la campagne. Mais on peut citer également nos partenaires tels que l'USAID, notamment le projet Dolel Mbaye. On peut citer un partenaire tel que Résilience, et surtout aussi le projet Agropole. Donc c'est l'effort conjugué de ces différents partenaires qui nous ont permis, sur la base d'une expression de besoin, quand même exprimée par les producteurs, de bien d'abord, de bien fournir en intrants, ces producteurs. Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect également important, c'est l'accompagnement technique, l'appui conseil qu'en temps du loup dérive à ces producteurs. Si vous voyez ces parcelles, elles répondent quand même à des normes de production. Parce que nous faisons des semences. Donc, on est plus connu dans les semences qui a ces exigences et autres. Donc, le respect des itinéraires techniques également a beaucoup contribué à ces résultats extrêmement encourageants que nous sommes en train d'observer présentement. D'abord, il faut le comprendre dans une stratégie nationale de l'État. L'État a développé la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire. Il faut dire, nous également, en tant que structure agréée par l'État, nous travaillons un peu à contribuer déjà aux objectifs de l'État. Et ça, c'est important, parce que le secteur dans lequel nous sommes, le secteur du riz, c'est un secteur quand même, disons, le plus. L'agriculture de façon large est importante, mais la riziculture est un maillon extrêmement important. Et ça, ça peut s'expliquer du point de vue de nos habitudes culinaires, de nos habitudes alimentaires. Le riz occupe une place vraiment importante. Donc, nous sommes dans ce maillon. Ça veut dire qu'on on est vraiment au cœur de la stratégie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la stratégie qu'on est en train de développer, c'est la déclinaison un peu des objectifs de l'État central. Ce qui fait que l'objectif final, un peu, c'est le producteur. Et ça, ça peut se mesurer par d'avoir l'accès à des intrants de qualité. Mais nous, le modèle que nous développons, nous faisons en sorte que cet accès, non seulement on peut le faciliter par d'avoir la disponibilité, mais également par le coût. Parce que tous les producteurs qui sont bénéficiaires d'entendre, on peut dire qu'ils n'achètent pas en fait au franc les intrants. Donc la stratégie développée ici, c'est de faire en sorte que tout producteur qui en exprime le besoin puisse vraiment disposer de ses intrants et après rembourser en nature. Pourquoi il rembourse en nature? Quelqu'un qui a remboursé en nature, ça veut dire qu'il aura cultivé, il aura eu ce qu'il doit avoir, ensuite il rembourse en nature. Voilà, donc c'est important et les producteurs, on peut se voir dans le système. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes autosuffisant en riz, pratiquement, c'est disons 30 à 40% de vos dépenses familiales un peu qui sont gérées. Donc c'est pourquoi c'est un maillon qui est extrêmement important et aujourd'hui ça se sent au niveau du producteur. Si vous voyez l'engagement que les producteurs ont, ça veut dire qu'on a proposé un modèle qui marche où en amont ils peuvent acquérir des semences, ils peuvent bénéficier un peu de l'encadrement technique et tout, ils peuvent bénéficier de tout ce qui est pour ceux qui font la semence, tout ce qui est certification, emballage et tout, mais surtout aussi où c'est un système qui leur permet de pouvoir vendre également leur production sur toutes les spéculations. Donc, ce qui fait que du point de vue du producteur, c'est un intérêt vraiment important. Ce qui fait que c'est des gens qui s'accrochent à leur coopérative, qui s'accrochent un peu à Antoine Dulolo. Et aujourd'hui, quand même, le résultat est en train d'être visible dans leur famille. Tout à fait, c'est d'abord la prise en charge des besoins réels et à des périodes clés. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que nos producteurs puissent entrer vraiment à leur, être entrés en possession de leur intrant au mois de juin-juillet. Ensuite, il y a quand même l'aspect conseil et surtout les formations qui ont été faites. C'est un aspect extrêmement important parce qu'on dispose d'une équipe technique composée d'animateurs qui se chargent de tout ce qui est formation et surtout accompagnement pratique sur le terrain. Mais d'autres innovations également, c'est l'introduction de la mécanisation. Vous avez vu à Baline quand même que le système de remembrement quand même est en train de prendre marche. Ici à Kabiline, beaucoup ont remembré. La parcelle derrière moi, c'est un remembrement, c'est le fruit du remembrement. Donc c'est toute cette technologie qu'on est en train, en tout cas c'est ce package qu'on est en train de mettre en place qui fait qu'il y a des innovations majeures qui permettent en tout cas aux producteurs vraiment, si on a une très bonne pluviométrie, vraiment d'avoir une excellente production. Là également c'est une conséquence directe parce que les années passées les gens étaient plus dans l'objectif d'augmenter un peu le niveau de production. Donc on a joué sur deux leviers.
Le premier levier, c'était d'abord d'augmenter les superficies à travers la mécanisation. Donc les tracteurs, ça commence à venir. Donc les superficies commencent à s'augmenter. Le deuxième levier, c'est de travailler de sorte à avoir un très bon rendement. Ça, c'est les formations techniques qu'il faut. Maintenant, au-delà de ça, il faudra accompagner les propriétaires parce que quand vous faites une plus grande superficie, bon, le travail augmente. Donc, il faut, dans, sur toute, le, toute la chaîne, il faut trouver les moyens, en tout cas, de mécaniser petit à petit. Et c'est pourquoi là, de fortes demandes sont en train d'être enregistrées par rapport aux répiqueuses, par rapport surtout au matériel de récolte et de post-récolte. Parce que quelqu'un qui te fait 1 hectare, 2 hectares, ce n'est pas la, la même charge de travail que quelqu'un qui te fait 5 hectares, par exemple. Il aura besoin de matériel de récolte, mais de matériel pour le battage, etc. Parce que l'autre défi également, c'est que d'ici très peu de temps, la divagation va reprendre de plus belle. Donc, c'est un peu une course hein, contre la montre. Et les producteurs ont besoin, effectivement, de ce matériel qui pourra leur permettre un peu de travailler rapidement. Donc, c'est un besoin qui est réel. Et là, vraiment, parmi les partenaires également, c'est l'État. Hein, c'est l'État. Déjà, je pense qu'il y a... Il y a déjà une liste qui est sortie, mais je pense que les commissions au niveau régional et au niveau départemental ne se sont pas encore réunies. Mais c'est le moment pour nous de lancer un appel vraiment à des autorités pour vraiment nous venir en aide. Parce que le besoin est réel ici et c'est sûr que c'est du matériel qui va être rentabilisé. Voilà, l'autre aspect également, nous utilisons d'autres moyens, d'autres types de financement alternatifs. Par exemple, avec l'association belge OVO, il y a une partie qui est destinée un peu au financement du matériel post-récolte. Où on est en train de terminer un marché sur l'achat de 3 batteuses ARI qui pourra nous permettre un peu d'aller très rapidement après la phase de récolte.